Du sport pour la boucle de ce journal avec ce championnat de boxe qui s'est déroulé du côté d'Ongondje. C'est le Gabonais Taylor Mabika qui s'est imposé face à l'Américain Tyler Seaver. Pablo Moussoudi Ngoma, Francis Ifunda. Ont suffi à Taylor Mabika pour abréger les souffrances de l'Américain Tyler Seaver. Une ceinture largement méritée par le Gabonais du début à la troisième reprise. Taylor a attaqué en prenant une option psychologique sur un adversaire qui a tenté de rattraper le retard à la deuxième reprise. Mais physiquement, Seaver n'avait pas le coffre pour répondre au hypercut de Taylor, perdant parfois le contrôle de son dentier. Des signes assez révélateurs d'un Américain qui finira par s'effondrer sur cet enchaînement de coups. Mabika, très soutenu par son public dans une salle au décor des grands galas américains, remporte fort logiquement ce championnat du monde disputé en présence du chef de l'État. Taylor commence à se faire un nom qu'on pourrait déjà assimiler à M. K.O. comme pour ravir la vedette à son adversaire qui était annoncé comme le spécialiste des K.O. Mais c'était oublier que Taylor Mabika est invincible à la maison.